Depuis quelque temps, la division provinciale de l'Habitat a pris la gestion de la concession de la Filtizaf et tout son patrimoine. La division provinciale de l'Habitat trouve cette décision judicieuse et motive cette posture par le fait que la société Filtizaf serait un bien privé de l'État congolais. La concession Filtizaf, c'est un bien de Belge. À ce temps, cette société s'est retrouvée dans les capacités d'introduction sur le marché. Avec quoi motif c'était le débouché sur le marché. Déjà à partir de là, on devait chercher d'autres actionnaires, arrivés en 2009, où on devait maintenant prendre des responsabilités. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat National ont pris acte pour essayer de protéger le bien de la société, et bien du fait que jusque-là, l'État cherchait celui qui serait en mesure de relancer la société. Eh bien, à partir de 2009 jusqu'en 2018, que l'arrêté de désaffectation de cette société dans le domaine privé de l'État devait être pris. Et c'est ce qui a été fait. On a pris l'arrêté de désaffectation de la société dans le domaine privé de l'État. Pour ainsi asseoir son autorité, la division provinciale continue à appeler les ex-agents ainsi que les différents locataires de la Filtizaf à se faire identifier et souscrire au contrat de location conformément à la loi. Nous continuons à l'inciter davantage, chacun, de venir régulariser sa situation. Parce que on ne veut pas suivre tout le monde au même moment, tout comme nous n'avons pas intérêt de faire sortir qui que ce soit dans la maison où il occupe. Voilà qui saisit la curiosité de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, qui a invité sans succès la chef des divisions de l'Habitat à deux reprises, mais cette dernière a brillé par son absence. Et l'organe délibérant s'est décidé de constituer une commission d'enquête pour établir les responsabilités sur la question. Chaque année, le 19 juin, le monde entier célèbre la Journée internationale pour la prévention des abus sexuels envers les enfants. Cette journée est l'occasion de sensibiliser les publics sur différentes formes d'abus sexuels, physiques et psychologiques, que peuvent subir les enfants et de briser le silence qui entoure souvent ces crimes. C'est également un moment pour rappeler l'importance de la prévention et des protections des enfants et de souligner le rôle crucial que chacun peut jouer pour y parvenir. À Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, les cas de violences faites aux enfants sont régulièrement signalés et le président du tribunal pour enfants a donné les causes de cette montée significative des cas. Actuellement, beaucoup de parents sont en train de chercher comment survivre, n'est-ce pas? Alors, il y a des parents qui sont... La mère est au marché, le père est en train de divaguer, chercher comment nourrir ses enfants, et les enfants sont presque seuls à la maison. Et l'éducation est presque ratée, n'est-ce pas? Alors les enfants s'adonnent à presque tout parce qu'il n'y a pas de contrôle, les parents ne sont pas là, c'est un cas un peu général. Alors c'est comme ça que nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de cas, parce que quand les parents sont là, les enfants se réservent de... ou même ceux qui le font, ils ont du mal à le faire quand le parent est là, parce qu'ils se disent, une fois que l'enfant se déplace, un parent sérieux, il va rechercher son enfant. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, quelque part, il faudra reconnaître aussi que l'Internet a ses bons et ses mauvais côtés. Aujourd'hui, les enfants ont accès, ou certaines personnes, même adultes, ils ont accès à l'Internet, et avec ça, tout ce qu'ils voient sur Internet, ils cherchent à les appliquer, et c'est comme ça que nous déplorons beaucoup de cas où multiplication des cas liés aux violences sexuelles faites sur les enfants. Les violences sexuelles faites aux enfants représentent un problème de santé publique majeur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, une fille sur trois et un garçon sur cinq dans le monde ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Ces violences peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale des enfants et les accompagner tout au long de leur vie. C'est non seulement les eaux de la pluie qui rongent cette route qui mène vers le marché Makanda, mais aussi les eaux des robinets et des tuyaux troués qui souffrent de canalisation. Les motocyclistes s'arrêtent en dessous de la colline et trouvent difficile de gravir avec leurs clients sur la moto et souvent, ils refusent de les acheminer vers le marché Makanda car l'itinéraire est devenu pénible pour eux et leurs engins.
Le chef du quartier et quelques membres de son entité cherchent à s'organiser pour accommoder cette partie de la route, mais ils sont dépourvus d'outils qui peuvent leur faciliter la tâche. Vraiment, Inji, il n'y a pas de docteur Amis. Il n'y a pas de problème. 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 Ma moto inaanza kubakilia paembe tukisha docteur Amis pala paembe ndio inaanza kujibakilia pale kule yule ipande tena suite ya nini ya mbaya tukisha peleka ma rapport bala kwa na marubine yabo wakati tulitia robine kama inaharibika ni wewe mwenye robine wende muone directeur ama ba responsable ba régie des eaux bakwe batengeneze ile matuyo ambayo iko na toboka toboka na inji yetu kama inafika mkuharibika zaidi ni matuyo ya batu ni marubine ya batu inafika mkuharibishisha. Il est parfois salon. Na connais qu'on envoie même à topic quoi. Na c'est ni cabaretier moins de prendre rapport au régi pour que bah soude bah tiete ma bilaka ma ici petite na istanzo ko vuete na morobine. La circulation de motos n'est plus intense qu'auparavant et l'espèce de la route s'écarte de la belle vue. Faire le contour de Quincomba est devenu ennuyant pour le motocycliste. Il souhaiterait voir cette situation bénéficier d'une oreille d'intérêt des gestionnaires de l'avenue et les tenanciers de robinets pour une canalisation judicieuse des eaux. Je n'ai pas vu ça. C'est que quand on a dit qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Hii kazi ya barabara ni kazi ya serikali ndio inapaswa kutengeneza hii mabarabara. Mimi si benye tunakuwa tuajiprendre en charge ndio kutengeneza mabarabara kusaidia watu. Mais pour ces derniers, bien qu'indexés, ils attribuent la responsabilité de la dégradation de cette route aux eaux stagnantes de pluie. Mambo ya maji ya robine. Haina tu makosa ya mingi sana. Juu ya nini? Kungelikuwa sema huko mfereji. Ni maji inatoka ni kurobine na natambara mfereji. Malgré la saison sèche, voici l'humidité qui caractérise cette partie de la route où, pour marcher, il est conseillé prudence et souplesse, sinon on est victime de la glissade. Les chèvres, les poules et d'autres animaux domestiques élevés par les différents amateurs de cette culture à Calémie traînent dans les rues de la ville et causent des multiples incidents dans des milieux publics. La culture d'élevage est pratiquée depuis des années dans la ville de Calémie, mais des éleveurs ne parviennent toujours pas à mettre les animaux sous leur contrôle pendant la journée. À Calémie, il est possible d'assister au jour le jour. Les défilés des animaux domestiques, des volailles, des caprins ainsi que des chiens sont au quotidien, non seulement dans des foyers, mais aussi sur toutes les rues des villes. Selon plusieurs observateurs, garder ces animaux à la maison est une attitude idoine pour prévenir des dégâts dans la ville. Oui, pour les animaux, on peut dire que les animaux domestiques causent aussi des accidents lorsqu'ils sont en divagation. Et surtout, on remarque que nos amis éleveurs qui élèvent les animaux dans notre parcours ne savent pas comment faire ou comment garder sérieusement les animaux. Lorsqu'ils laissent les animaux en divagation, les animaux cherchent à manger et même là, ils nous causent aussi des accidents. Il y a aussi même des jardins de gens qui sont attaqués par les animaux. À ces cas-là, les animaux sont comme les agents causaux. Le marché, les moulins et les rues sont les meilleurs endroits pour la divagation de ces animaux. Aucune mesure n'est prise pour interrompre ces cas et ils deviennent plus amplifiés sous les yeux des dirigeants des quartiers. Les motards affirment qu'ils croisent à maintes reprises ces animaux sur leur passage et ils perdent l'équilibre en roulant leurs engins. Parfois, il est manyama, ça il est mambouzi, ma balabala, ma imboa, ma kuku. Tu vois, on a pas taga majali, ça moi, mon brisque. Ou ta face à moi, mukuepa mbuzi hivi parfois huko huko mtu mwingine unaenda kuacha mbuzi unakonga mumutu hatari iko kwa mbuzi na imbwa surtout ile bifugo viwili bile kweli iko na zumba barabara. Le manque de contrôle des animaux domestiques occasionne en plus des accidents, des conflits intercommunautaires. Les habitants du quartier Kaité vivent dans une situation difficile depuis plusieurs semaines. En effet, ces derniers sont confrontés à une pénurie d'eau potable qui affecte gravement leur vie quotidienne. Cette situation, qui n'est pas nouvelle dans les quartiers, s'est aggravée ces derniers temps, privant les résidents d'un accès vital à l'eau. Les causes de cette pénurie d'eau potable sont multiples. La vétusté des infrastructures d'approvisionnement en eau, l'insuffisance de la production d'eau par la Régie des eaux,
La croissance démographique que connaît la ville de Kalemi sont là les principaux facteurs pointés du doigt par les habitants. Vraiment, mon gémé, tu as kaité. Maji ni kidogo sana. Population ni mingi, mais maji go kidogo. Et mon avenir, yangu toko na visima biwili. Bile visima biwili, avisifir population yenyewe iko. Normalement, tu pashaka kwa na visima, tu pashaka kwa na maji kutoa ku rejidezo. Les conséquences de cette pénurie d'eau potable sont nombreuses et préjudiciables pour les habitants du quartier Kaité. Les familles sont obligées de parcourir des longues distances pour trouver de l'eau potable, ce qui prend du temps et de l'énergie précieuse. Les enfants ne peuvent pas se laver régulièrement, ce qui pose des problèmes d'hygiène et de santé. La préparation des repas devient un casse-tête et les activités domestiques quotidiennes sont considérablement ralenties. Imaginez un quotidien où un simple trajet est devenu un parcours de combattant. C'est la dure réalité que vivent actuellement les habitants de la ville de Kalemi, confrontés à la crue des eaux du lac qui bloque le passage habituel en plein centre-ville, à pied ou à moto. Impossible de traverser. Seuls les véhicules moyennant une somme d'argent permettent de franchir cet obstacle inattendu. Cette situation isole des populations entières, coupant leur accès aux marchés, aux écoles, aux centres de santé et aux autres services essentiels. Les personnes âgées et les femmes sont particulièrement vulnérables face à cette épreuve, peinant à se déplacer et à assumer leurs tâches quotidiennes. Vraiment, une catastrophe moins naturelle est née dans tout ça. Parce que depuis des années, moi, je suis venu à Vimbaka Kidogo, mais il y a un niveau qui est venu à battre le record. Je suis venu à Niagari, ça c'est un peu de temps, nini, ni shida kabisa. Na magumu mwingine tuko nayo pale pamai pa mitumbu kwa kuvuka seremoni ba kuvuka benye bana kwa mafiere mingi utafika vingine no 10 personnes kupanda munaenea pana kuongeza ile yote inatuletea shida njoo tuko nalilia gouvernement na Mungu wa juu bajikaze bayo namna gani batatufaciliter si population jo mpaka sasa transport inatukute très cher. Kwa mtu kutoka hapa kufika city ra kule kwenye natoka, il faut gaspiller 5000 francs. Na niko na gagner combien par jour? Pour ces populations déjà fragilisées, ce nouveau défi représente un fardeau supplémentaire. Le frais exigé pour traverser les eaux en véhicule est des 1000 francs congolais, mettant à rude preuve leurs maigres ressources financières. L'absence de solutions alternatives aggrave la situation, contraignant les habitants à emprunter des chemins détournés, allongeant considérablement leur temps de trajet et exposant leur santé à des risques accrus. Les conducteurs de ces véhicules qui facilitent la traversée ont signalé qu'il y avait des conséquences énormes pour les véhicules en passant dans ces eaux. Face à cette situation alarmante, les populations lancent un appel à l'aide et à la solidarité. Une cacophonie sévit dans la boxe entre les athlètes et le dirigeant de cette discipline à Kalemi. Les boxeurs en veulent au comité actuel pour n'avoir pas organisé de championnat au niveau local et souhaitent que leur actuel président soit démis de ses fonctions. Alors que c'est depuis 2019 qu'il est à la tête de l'entente, aucun acte de promotion de cette discipline à Kalemi n'a été posé. Pendant ces temps, les athlètes s'entraînent sans monter sur les rings depuis 5 ans. Radja Buramazan Rugobo, boxeur de la place, est parmi ces athlètes mécontents. Le problème est que les Kwasi boxeurs sont le président de l'attente. Il y a des gens qui ont été élevés. Depuis 2019, le championnat de la province de Tanganyika, pas KF, a été élevé dans un combat. Il y a un combat organisé par le club. Depuis 2019, je suis entraîné en 2019 jusqu'à 2024. Entraînement. Na hakuna hata kimoja kiwe kuna tufanyizia si. Na inaonekana sasa vile abana na kazi moja kule ku komite yao ya tante wala league. Na tulikuwa naomba tu kwa Siba boxere ile mafasi ya beko mara 10 tu baacha hayo. Paikale tu vide. Bora tu di dependre si benye ba boxere. En dehors du manque de compétition, à Kalemi, il y a manque de gymnase pour les entraînements des athlètes pourtant appelés à représenter la province du Tanganyika dans le championnat national auquel ils sont toujours absents à chaque organisation. C'est sur le béton que ces boxeurs s'entraînent, certains dans les salles des classes et d'autres dans les stades de football des avenues.